Bonsoir Monsieur Thibault, asseyez-vous, faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. Merci. Alors on va poser quelques questions. Tout d'abord, tennistiquement, par rapport au double et vive l'Arsenal, par rapport au double et quelques remarques qu'on a pu vous faire ou te faire d'ailleurs. Ouais, tu peux. Deux secondes intimes. Non, je préfère que tu me vois. D'abord. Pensez-vous, ça change la question du coup. Pensez-vous adopter le revers à une main de Andy Roddick pour avoir enfin un point fort au tennis? Ben en fait non, parce que je pensais arrêter ma carrière là, parce que j'ai perdu contre mon dernier match contre un joueur que j'estime très très faible, et donc je voulais l'annoncer aujourd'hui que non, je ne changerai pas de revers, j'ai fait mon dernier tournoi à Bretignolles et j'ai eu la chance de gagner quand même le double messieurs parce que la paire en face était extrêmement faible. Donc ça m'a permis quand même de finir ma carrière sur une victoire, mais j'arrête le tennis et je vous l'annonce ce soir. Pas de regret de repartir du match à vélo avec deux bulles quoi. Non, parce qu'en fait, au niveau du score, j'ai vraiment tout donné. Donc, j'aurais pu être déçu si j'avais pas été à 100% de ma forme. Mais là, j'étais à 100% et donc je compte maintenant me mettre au cyclisme vraiment à temps plein. Et donc, abandonner l'Arsenal aussi Non, ça c'est du football. C'est pas une reconversion. Non, mais c'est pas une reconversion. Non, tu connais rien, toi. C'est pas une reconversion dans le football. Non, dans le cyclisme. D'accord. Non, dans le cyclisme, mais par contre, il n'y a pas d'équipe à Arsenal. Mais par contre, on peut peut-être éventuellement en créer une. En créer une. Très bien. Voilà, mais bon, si. Après, il faudra que je t'explique parce que c'est un peu long. Enfin, et sinon, ouais. Ça, c'est les Gunners en fait. Question pratique. C'est en Angleterre. Le Karcher est-il efficace pour laver les culottes de Stéphie? Le quoi? Le Karcher. Lavomatique pour les intimes. Karcher. Lavomatique. Lavomatique. Oui, vous voulez faire en rapport avec. Le jeune de Bretignolles, Maxime, c'est ça, Bretignolles. Oui. Maxime Mention, là, qui. D'accord. Ah ouais, mais. Ouf. Ouais, mais là, tu vas m'énerver là, si tu me parles d'un jeune qui est incompétent. Ouais, non, mais il est incompétent. Il travaille à l'accueil, il n'est pas accueillant. C'est pas la peine de faire un bisou à Pauline au passage. Qui ça? Bah toi, Théo. C'est pas parce que t'es derrière la caméra que moi je te vois. Et donc, non, mais en fait, oui, le truc que tu voulais expliquer, c'est que le jeune de Bretignolles, je cherchais un lavomatique et m'a conseillé d'aller à l'éléphant bleu. Exactement, c'est ça. À Bretignolles. Mais c'est pas pour que t'en parles à Stéphie, mais c'est parce que c'est par contre, c'est Mathilde qui laisse des traces de pneus sur les. C'est pas mal. Mais surtout le soir. C'est pas Stéphie, quoi. Dans les tentes. Oui, c'est le soir dans la tente. C'est bien connu depuis l'année dernière. On sait que Mathilde laisse des traces de pneus. Bah, on a même la trace vidéo. Donc, par contre, pour les culottes de Mathilde, on va aller en bleu pour les traces de pneus. Mais pour Stéphie, j'y suis jamais allé. S'il y a besoin un jour d'y aller, j'irai. Mais pour l'instant, non, ça se passe bien. D'accord, pas de problème. Donc, en gros, en bilan. Un très mauvais bilan du club de Bretignolles, si on rassemble tous les témoignages et tout. Ah bah, de toute façon, déjà le fait que Didier y soit, c'est vraiment à la base un bilan négatif dès le départ. Ouais. Le fait qu'il le quitte maintenant, ça sera peut-être positif l'année prochaine. Ce qui serait bien, c'est que ce fameux jeune qui s'appelle Maxime Mention, qui prenne le juge d'arbitrage, comme ça bah, on sera sûr de ne pas y aller et de ne pas faire le tournoi. Par contre, il faudra trouver un autre tournoi avec une salle omnisport afin que tu puisses faire quand même le tournoi et péter un câble sur ce tournoi-là. Donc voilà, et que tu fasses le double vif avec Manon, parce que Manon, enfin si Pauline le veut bien sûr, parce que Manon adore aussi la salle omnisport et c'est son kiff. Donc si on retrouve un club avec une salle omnisport. Le double mixte vous attend. Merci d'avoir détruit tous les efforts qu'on avait faits. Merci beaucoup. Tous les secrets, tout est détruit, tout est révélé, voilà, c'est génial. De rien, c'est avec un plaisir non dissimulé que je me félicite. Au revoir. Au revoir.